Donc, question d'un frère qui dit: Salam alaikum, cher, j'ai des acouphènes. Acouphènes, cher, c'est-à-dire, il entend des bruits, yani, dans son oreille, dans sa tête, mais s'il n'y a pas de bruit extérieur, c'est que dans sa tête, yani. Donc, il dit: Salam alaikum, cher, j'ai des acouphènes, mal d'oreille, fatigué souvent, mal de tête, énervement tous les jours. J'ai 29 ans, j'ai dû jeûner 7 jours dans ma vie, je viens juste de faire Taouba il y a 2 mois. Est-ce que je dois le faire? Donc, est-ce qu'il doit faire ce mois, jeûner ce mois de Ramadan? Tfadal, cher. Naam, naam, il doit le faire, car c'est un pilier de l'islam. Ou du moins, il doit essayer de le faire. Maintenant, s'il essaye, naam, et que, arrivé 11h midi, il voit qu'il ne peut plus tenir debout, naam, il essaye donc de dormir pour essayer d'oublier. Et s'il voit qu'il ne peut pas, naam, qu'il sa tête, il a envie de crier, il a ceci, il a cela, des vomissements, des... Dans ce cas, ce jour-là, il le mange avec la niya de le rattraper plus tard. Et il laisse la niya pour le jeûne du lendemain. Et comme ça, chaque jour à part. Chaque jour, il lui met la niya la nuit que demain je vais jeûner billah. Et si pendant la journée il ne peut pas, si vraiment ça le dépasse, naam, et il le rattrape après bi'idhnillah subhanahu wa ta'ala. Maintenant, si la maladie est chronique, dans ce cas, il nourrira pour chaque jour manger, bi-idhnillah subhanahu wa ta'ala. Tfadl. La dernière question.